fais partie du bureau qui est dans la mairie, de la commission de travaux, j'ai abandonné, je suis sur tous les états. N'hésite pas à parler un peu plus fort, Jean-Claude, si tu veux. Comment ? N'hésite pas à parler un peu plus fort, si tu veux. Donc, oui, je vous connais, donc je ne sais pas quel est votre pourcentage, disons, d'intégration. Depuis 2011, parce qu'on a démarré à Chevry-Cossonay. Ouais, c'était finalement un projet pilote à l'époque. Ouais, oui. Voilà. Et après, donc, on a pas mal de clients sur Cesson et Vers-Saint-Denis, parce que c'est la même chose. Hein. Vers-Saint-Denis, notamment, ça a ouvert en 2013, donc ça fait un petit moment, 6 ans. L'avantage, c'est que nos clients restent fidèles. Donc, ça, c'est un argument. C'est un élément positif. C'est un élément positif, absolument. Donc, il y a un engagement obligatoire. Engagement 12 mois, on a 4 formules différentes parce qu'on part d'un constat très simple. C'est tous les usagers n'ont pas les mêmes besoins. Donc, on peut vous donner Internet seul, Internet téléphone, Internet télé sans. Et comment réagissez-vous quand il y a des problèmes techniques une fois que c'est mis en route? Alors, nous, on a une plateforme, évidemment déjà basée en France métropolitaine, c'est important pour la compréhension, ouverte 7 jours sur 7. D'accord. Un cas effectivement de tout le monde. Et puis nous, on a un suivi justement très actif hein, sur nos abonnés. C'est peut-être pour ça qu'ils sont fidèles hein, finalement. Alors, sachant que tout le monde a une visibilité sur le matériel, on a une visibilité aussi sur le réseau en amont. Hein. C'est-à-dire si l'ONT de l'opérateur d'infrastructure pose souci, ce qui peut parfois arriver, et qu'on détecte qu'il y a un problème en amont, effectivement, on ouvrira un ticket d'intervention à codage. Ce qui est intéressant dans ce type d'infrastructure publique, je le dis, hein, c'est qu'il y a une vraie neutralité d'intervention de la part de l'opérateur d'infrastructure. D'accord. Quand une personne a signé un contrat avec vous commercialement et qu'elle a des problèmes techniques que le commercial ne peut pas résoudre, est-ce que la personne a un numéro de téléphone à contacter? Parce que ça, c'est le défaut de certains fournisseurs. Le numéro de notre téléphone. Comment? Le numéro de notre téléphone. Qui est valable pour la technique. Pour l'administration et également pour la banque. D'accord. Parce que c'est là où ça pêche le plus d'une manière générale. Mais nous, on est très à cheval sur très à cheval. Justement, peut-être parce qu'on a une taille un peu plus réduite et ça nous permet aujourd'hui d'être réactifs. D'accord. Bah, écoutez,